Ça en fait c'est des croissants fourrés. Pour le petit-déj ou le goûter c'est une tuerie. Et aujourd'hui je vais te montrer comment les pimper de trois manières différentes. Déjà tu vas juste les ouvrir au couteau comme ceci. Ensuite tu vas te réaliser une crème montée avec du mascarpone, de la crème liquide et du sucre. Et une fois qu'elle est bien montée tu vas la garnir dans tes croissants. Donc ça en fait c'est ta base. Ensuite tu vas faire fondre du chocolat avec de l'huile de coco au bain-marie ou au micro-ondes. Et tu l'ajoutes sur ton croissant fourré. Après je me suis fait des petits chouchous de noisettes, du sucre, de l'eau, des noisettes décortiquées. Tu fais fondre tout ça jusqu'à obtenir un beau caramel et voilà des petits chouchous que tu mets sur ton croissant fourré. Tu ajoutes aussi des amandes effilées et ensuite next recette, la même base, une mangue que j'ai coupée en petits morceaux et que j'ai mixé avec un jus de citron vert. Donc là en fait c'est le croissant en mode exotique, fruit de la passion, coco râpé, morceaux de mangue et des petites lamelles de coco pour finir. Et ensuite le dernier croissant, confiture de fraises, sucre glace, quelques petites tranches de figues parce que c'est la saison et pour finir des mûres et des groseilles. Après bien sûr c'est toi qui les pimpes comme tu veux et tu vas voir c'est trop bon.